Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog de Noël qui est le numéro 5. Alors aujourd'hui, on est lundi 4 décembre, il est midi 17. Alors je vais essayer de pas trop parler pour ce blabla parce que j'ai encore plein de petites choses à faire. Donc je vais essayer de pas trop tarder. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Eh bien ce matin, j'ai fait le montage du vlog qui sort aujourd'hui, donc le vlog de Noël numéro 4. Mais entre-temps, parce qu'en fait j'ai un souci depuis quelques jours maintenant sur mon ordinateur, c'est que j'ai souvent plus de place. Donc là j'ai dû faire de la place, j'ai dû transférer des vidéos ou des dossiers, ou supprimer des dossiers, ou des vidéos, etc. Voilà, pour faire de la place. Mais vraiment, j'ai fait de la place, mais c'est pas beaucoup, hein, clairement. Je ne sais pas où enlever pour vraiment gagner de la place. Sincèrement, je ne sais pas du tout. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse ce que je peux enlever encore sur mon ordinateur. Je pense que je vais essayer de faire un gros tri dans tout ce qui est images. Peut-être que ça prend de la place, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Là, j'ai enlevé une bonne partie des vidéos que j'avais postées il y a très longtemps, que j'ai mis sur mon disque dur externe. Donc, j'ai pu gagner de la place rien qu'avec ça. Donc, voilà. Mais sinon, si j'aurais pas fait un petit peu de ménage sur mon ordinateur, bah, je pouvais pas exporter le vlog d'aujourd'hui, le vlog numéro 4. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment compliqué. Avant, j'avais jamais eu ce problème, mais là depuis un ou deux mois, bah, j'ai ce problème là. Et c'est pas facile avec les vlogs de Noël, parce que vu que je vlog tous les jours. Et aussi, j'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai eu... Alors, on m'a pas encore appelé, mais ma collègue que je remplace très tôt le matin m'a dit que normalement, je devrais la remplacer à partir du 18. Donc, on a au moins 2 semaines de vlogs de Noël tous les jours, de sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, ouais, vraiment la dernière semaine, vraiment des vlogs de Noël, vlogmas comme vous voulez. Là, voilà, il y aura un petit changement par rapport au vlog. Voilà, c'est déjà ça, c'est très bien. Ça veut dire que les 2 dernières semaines, bah, je travaillerai tôt le matin. Il y aura juste une semaine où bah, j'aurai les vlogs de Noël. Et après, la deuxième, bah, j'en aurai plus. Je pourrai me reposer et travailler sans avoir encore beaucoup de travail derrière. Donc, ça va. C'est déjà un bon début, déjà pour ça. Voilà, et aussi ce matin, oui, je sais, je passe du coq à l'âne. Hein. Vu que j'y pense, je vous le dis direct, parce que sinon je vais me dire, ah, j'ai oublié. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. Donc revenons à ce que j'ai fait ce matin, j'ai aussi fait mes petits soins. Voilà, j'ai mis aussi du mascara, parce que j'aime bien. Là, ça va faire... Je ne mets pas tous les jours, mais ça fait quelques jours que j'en mets. Et c'est vrai que bah, ça ouvre le regard chez moi. Parce que j'ai déjà des cils très longs naturellement. Même une fois, ma maman m'avait posé une question très drôle. M'avait demandé si j'avais mis... Alors, elle dit du vrai cil. Mais ça s'appelle du mascara, hein, maintenant, de nos jours. Mais elle appelle ça du vrai cil. Mais c'est la même chose, hein, voilà. Elle m'a demandé si j'avais mis du mascara. Et je lui ai fait non, absolument pas. C'est mes vrais cils. Voilà, parce qu'en fait, j'ai des cils très... Très long, oui et non, hein, c'est pas non plus des fossiles quoi, hein, au naturel, mais ils sont longs et quand même plutôt bien recourbés. Je pense que beaucoup de personnes qui sont fans de maquillage aimeraient avoir mes cils, je vous comprends. Voilà, et quand je mets du mascara, j'ai pas besoin de mettre 10 000 couches pour avoir une longueur incroyable. Je mets juste une fine couche de mascara sur mes cils et ça y est, j'ai l'impression d'avoir mis des fossiles. Je sais pas si ça va se voir, je vais enlever mes lunettes. Voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, j'ai quand même cette chance-là. Et c'est vrai que quand je mets du mascara, ça m'ouvre le regard. J'ai l'impression. J'ai pas du tout la même tête, on a l'impression. Voilà, oh pardon, je vous ai tapé dedans. Mais après mettre quelque chose, j'hésite peut-être à acheter une espèce de CC crème pour le visage. Voilà, de temps en temps. Mais après, bon, je m'accepte comme je suis, voilà, avec mes boutons et tout, donc... Peut-être pas aller jusque là. Continue au moins la skincare, ce sera déjà ça. On est d'accord. Voilà, mais bon après, c'est tout. Déjà le mascara c'est déjà très très bien. Prendre soin de ma peau c'est déjà très très bien. Oh, j'arrête pas de vous taper dedans, mais je suis pénible aujourd'hui donc, je suis désolée. Et après, bah, juste avant d'aller à mon rendez-vous chez la psy,
Faut que j'aille juste à côté retirer un peu d'argent pour la psy, parce que je n'ai pas assez pour payer la séance, tout simplement. Et je dois récupérer un colis. Vous savez, je vous ai dit vendredi que j'ai passé commande. Non, c'est pas vendredi, jeudi. Mais que vous avez vu le vlog vendredi. C'est tout un bordel, hein, on est d'accord. J'ai commandé sur un site internet un cadeau de Noël pour l'un de mes proches de ma famille, du coup. Et il est arrivé aujourd'hui au point relais, donc il faut que j'aille le chercher. Voilà. Et vu que c'est au même endroit, bah, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Donc à 13h15. Si je dis pas de bêtises, je dois être à mon rendez-vous chez la psy. Voilà. Et sinon, cet après-midi, je ne sais pas du tout, mais du tout, ce que je vais faire. Peut-être un petit peu de couture, mais pas sûr à 100%, pour être honnête. Bref, passons à la case numéro 4 du calendrier couture. Donc c'est parti. C'est un petit paquet dans une grande enveloppe parce qu'elle a plié comme ça. Alors voici les petites décos, on a le traîneau du Père Noël avec plein de cadeaux, la petite maison et tout. C'est un peu comme le paquet numéro 2. Attendez. Mais j'ai encore tous les paquets parce qu'ils sont tellement beaux, mais à un moment je vais les jeter. Vous voyez, c'est un peu dans le même style que ça. Hop, avec la maison qui est trop trop belle. Voilà, on a le numéro 4. Alors qu'est-ce qui s'est écrit là-dessus? La snow, le truc avec la neige, ça c'est sûr, mais après le reste je sais pas ce que ça veut dire. Et après plein de petits cœurs et des petites étoiles et tout et tout. Alors comme on peut voir, il est un peu épais, il est mou. Mais je pense pas que ça soit un tissu comme hier. Ouais, une mercerie que j'ai dû prendre sur Mercerie Extra du coup. Et après quoi, je sais pas. Oh bah j'ai déchiré le paquet. Allez, viens par là toi. Ah oui, j'ai pris. On va rien voir du coup. Ah, c'est scellé comme ça. C'est chiant. Attendez. Hop. En fait, j'ai commandé ça. Bah, j'ai pris ça. Voilà, que je cherchais. Alors, je sais plus combien de mètres. Je crois que j'ai pris 5 ou 10 mètres. Un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, ça serait pas mal pour un de mes cosplays. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas prendre ça pour mettre dans le calendrier de l'avant-couture. Voilà. Mais je sais que j'en aurais pas assez pour mon cosplay, mais ça peut toujours servir. Ça serait pour faire le jupon de mon personnage de Sakura. Voilà, il y a des petites dentelles comme ça au niveau du bas du jupon. Et j'en ai pris pas mal, mais je sais plus du tout combien de mètres. Faudrait que j'aille voir. J'irai voir à la fin sur le site de Mercerie Extra ma commande pour me souvenir. Mais voilà, j'ai quand même pris pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, mais je ne sais plus. Au moins minimum 5 mètres, ça c'est sûr. Mais après, je ne sais plus du tout. Mais bah cool, c'est très bien. Bon, il va falloir que je lui trouve une place parce qu'il y a quand même pas mal de quantité. Et c'est vrai que j'ai plus vraiment de place. Ça va être chiant, ça. Bon, on verra bien, bien sûr, plus tard. Voilà, bah, pour la case numéro 4, oui, c'est ça. Bah, très content, ça c'est cool. Ça c'est fait. Au moins comme ça, je sais que j'ai ça bah, pour faire le jupon du cosplay de Sakura. Par rapport au cosplay, j'ai toujours pas vraiment avancé sur le cosplay de Nezuko. Parce qu'en fait, pour l'instant, je vais mettre ça de côté, le cosplay, pour être sincère avec vous. Bien sûr, je vous ferai le bilan couture spécial cosplay, je pense fin décembre, début janvier. Je vous montrerai quand même ce que j'ai cousu, quand même, déjà en cosplay. Mais en fait, si je me remets dans le cosplay, c'est quand j'aurai oublié cette fameuse personne, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est un peu grâce à cette personne-là que ça m'a motivée à me lancer dans le cosplay. J'avais réellement envie de me lancer dans le cosplay depuis un petit moment maintenant. Encore une fois, je me tape le coude. Ça va être dans tous les vlogs, je sens bien ça. Bref, je disais que voilà, j'avais vraiment réellement envie de me lancer dans le cosplay, mais je sais pas, je me lançais pas, vous voyez. Et en fait, d'en avoir parlé avec cette fameuse personne, bah, ça m'a motivée. Pour je ne sais pas quelle raison. Mais je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Donc j'ai acheté tout le nécessaire, les patrons et tout. Mais vraiment, des fois, il y a des personnes qui, en parlant comme ça, tout simplement, bah, ça me motive. Voilà. Par exemple, quand vous me parlez dans les commentaires, vous me laissez un commentaire, vous me parlez sur Instagram, bah, des fois, je vais être motivée à faire un truc, vous voyez, et tout.
Vraiment, des fois, il ne me faut pas grand-chose pour que ça me motive et tout. Alors aussi, je me motive toute seule, hein, je vous rassure quand même. Voilà. Mais c'est vrai que bah, des fois, rien que de parler avec des personnes, bah, ça motive. Vous voyez? Donc, c'est vrai que de voir vos commentaires sur mes vlogs de Noël, bah, ça me motive à continuer à faire les vlogs, bien sûr. Même si, bon, même s'il n'y avait pas, il n'y aurait pas beaucoup de commentaires, j'aurais continué parce que j'aime bien et ça me change les idées aussi. Donc, voilà. Même si ça me fait un petit peu de travail en plus. Pour vous expliquer un petit peu par rapport au cosplay, mais j'arrête pas, je fais juste une pause. Ça reviendra quand j'aurai vraiment envie. Je pense l'année prochaine, donc l'année 2024, je pense que j'y reviendrai, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que le cosplay de Nezuko, je suis quand même contente de le faire, mais d'un côté, j'ai plus une grosse envie de faire le cosplay de Sakura. Voilà, la tenue de Sakura, vraiment pour être honnête. Donc je sais pas, mais j'ai envie quand même de terminer Nezuko d'abord. Mais c'est vrai que bah, je suis un peu moins motivée de faire Nezuko que la tenue de Sakura. Bref, je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 12 minutes que je parle. Je verrai bien pour cet après-midi, peut-être un petit peu de couture, je vais voir. De toute façon, si je fais un peu de couture, je vous reprendrai bien sûr. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Voici pour clôturer ce vlog. Il est 19h55. Alors, je sais, je devrais pas m'excuser, mais là, vraiment, sincèrement, je suis désolée. Ce vlog, il est encore moins intéressant que celui d'aujourd'hui que j'ai posté pour moi, mais pour vous hier. Vraiment, j'étais, mais vraiment fatiguée plus par rapport à hier. Hier, c'était rien du tout. J'étais fatiguée, mais ça allait. Hein. Mais là, aujourd'hui, waouh! C'était compliqué. Je suis crevée. Alors, j'ai pu faire quand même des choses. Voilà, j'ai fait le montage du vlog d'aujourd'hui. J'ai essayé de nettoyer mon ordinateur. J'ai été chercher le colis qui m'attendait au point relais. Ensuite, je suis allée voir ma psy. Ça s'est très bien passé. J'ai parlé de ma journée de samedi, de projets, de machin et tout. Et elle m'a dit que j'étais sur la bonne voie et que ça fait plaisir. Et je ne vais pas vous cacher que moi aussi, ça me fait énormément plaisir aussi de voir que je suis vraiment sur le bon chemin et tout. Donc ça fait plaisir à entendre, hein, bien sûr, parce que si elle m'aurait dit l'inverse, oui, là j'aurais été dépitée, hein, bien évidemment. On est d'accord. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais je commence à tomber un petit peu malade. J'ai la gorge qui me gratte. J'ai le nez. Pour l'instant, ça va. En début de journée, j'avais le nez sec, j'ai plus de batterie. Je vais devoir filmer avec mon téléphone, je n'ai plus de batterie. Ah super, c'est quelle chance aujourd'hui, dis donc. J'ai plus de batterie du tout. J'ai pas pensé à charger l'autre en plus.
Donc je vais devoir filmer avec mon téléphone, désolée. Donc je disais que oui, je commence à tomber malade. Parce que j'ai la gorge qui me gratte, j'ai le nez qui commence un petit peu à me chatouiller. Et je sens aussi qu'il commence un petit peu à s'encombrer. Et je commence aussi à avoir un petit peu mal à la tête. Donc je pense que je vais me taper un petit rhume. Hein, voilà. Bon, pour le boulot, ça va le faire. Hein. J'ai déjà eu le rhume cette année. Cet été, en même temps que j'étais en dépression. Donc pour vous dire, voilà. Hein, j'ai même été travailler quand j'étais en dépression, pour vous dire. Donc ça va aller. Hein. Bien sûr, si j'ai la grippe, bien sûr, là je me mettrai en maladie parce que je crois que j'ai même travaillé une fois quand j'avais la grippe parce que j'avais pas le choix. Ouais, c'est tout un problème, c'est tout un programme, mais ça c'était il y a longtemps. je vous rassure, hein, c'était il y a un moment maintenant. Mais je crois que ça m'est arrivé. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Je peux vous le dire. Mais même quand on a un rhume ou même quand on est en dépression et qu'on continue quand même à aller travailler, bah il faut le faire, hein, on est d'accord. Hein, il faut le faire quand même. On voit que la meuf, elle persiste. Hein, elle est à fond les ballons. Hein, elle lâche rien, hein, on est d'accord. Mais bon, ça va, je travaille que le mercredi et le vendredi. Et c'est entre midi. Hein, voilà, c'est tranquille, hein. J'allais vous dire, je cours pas dans tous les sens, hein. Ça va. Je devrais m'en sortir, il n'y a pas de problème, hein. On est d'accord. Ensuite, juste avant de rentrer à la maison tout à l'heure, quand j'ai terminé ma séance avec ma psy, j'ai demandé à ma maman si on pouvait s'arrêter à l'espace culturel Leclerc avant de rentrer, pour pouvoir regarder pour un livre sur le sujet de l'hypersensibilité. Voilà, parce que la semaine dernière, j'ai appris que je faisais partie des personnes hypersensibles. Et j'en avais parlé sur Instagram la semaine dernière, voilà, de cette nouvelle, on va dire comme ça. Ah, et vous avez été beaucoup à réagir, à m'envoyer des messages et tout. Et vous avez été beaucoup à me dire de me renseigner, de lire des livres ou de regarder des vidéos. Oui et non, ça dépend. Mais surtout de me renseigner, voilà, sur... C'est pas une pathologie, hein, c'est juste une forme de caractère. On va dire comme ça, c'est pas un trouble, c'est juste voilà, une forme de caractère. De me renseigner sur ça et vraiment quand je comprendrai mieux, bah, je verrai plus l'hypersensibilité comme une faiblesse mais comme une force. Parce qu'il faut pas oublier qu'on considère ça, je pense, comme une faiblesse à cause des autres qui nous disent qu'on est faible parce qu'on pleure, parce qu'on est susceptible ou je ne sais quoi. Voilà, tout simplement. Mais sinon, en soi, bah non, c'est juste que... bah on voit les émotions et tout le reste d'une autre manière et beaucoup plus forte. Je pense que j'ai commencé à lire le livre, mais je sais plus la phrase exacte, donc vous m'en voudrez pas, j'espère. On ressent pas les choses comme une personne normale. On les ressent beaucoup plus fort. Voilà, on va dire plutôt comme ça. Je peux vous dire déjà que le bouquin me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le concept et c'est plutôt bien expliqué. Et je peux vous dire que je me reconnais dans tout ce que j'ai pu lire déjà. Donc vraiment, c'est pas mal. Ce livre m'a fait sourire plusieurs fois du peu que j'ai pu lire. Et je me suis totalement reconnue dedans. Je peux vous lire. Voilà. Donc le livre c'est « Et si j'étais hypersensible ?» qui est comme ceci. Et en fait, c'est illustré comme une BD. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, comme ça. Il coûte 16,95€ pour les personnes que ça intéresse. Et déjà, rien que pour la partie là, en gras, sur la partie quatrième de couverture, je vais vous le lire. Si vous êtes hypersensible, vous allez vite reconnaître ces fameuses reproches. Tu pleures trop, qu'est-ce que tu es susceptible? Il faut que tu t'endurcisses, tu ne serais pas bipolaire, etc. Ces phrases, les hypersensibles les connaissent bien. Lol. Ah oui, je les connais, hein. Comme le reproche, tu te prends trop la tête, que j'ai eu la semaine dernière. Ah ouais, même pas cette année, hein. Même les autres années, quand j'étais à l'école et tout. Ah ouais, non, mais je crois que j'étais abonnée aux reproches, hein. Je ne sais pas vous le dire. Bon, j'en rigole parce que maintenant, ça y est, je commence à faire la paix avec mon passé, donc ça va. Mais ouais, je confirme. Je confirme. Même des fois, des personnes n'ont jamais réellement compris mes émotions ou mes réactions en mode « c'est un peu trop surjoué là, non ?»« Tu fais un peu peur. » Des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est vrai que quand on te dit des choses comme ça, bah,
Bah ouais, tu dis, je suis peut-être pas normale du coup. Alors que, bah en fait, non, on est normal à notre façon, quoi. Mais c'est juste que c'est les autres qui ne comprennent pas, quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. En fait, c'est comme une BD. Voilà. Alors c'est un peu en noir et blanc, comme ça. Vous avez quelques couleurs, hein, bien sûr. Bon, là, j'ai pas lu, donc voilà, je pourrais pas vous dire, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, ça vous explique. Et je trouve que le bouquin est vachement bien. Je trouve que c'est bien pour les adultes. Que pour les ados et même pour les enfants. Alors bien sûr, si vous le donnez ou vous l'achetez pour votre enfant, bien sûr lisez-le avec lui, parce qu'il y aura sûrement certains trucs qu'il va peut-être pas comprendre, hein, bien évidemment. Et bien sûr, s'il y a des mots qu'il comprend pas, il vous pose la question et vous essayez de lui comprendre avec des mots plus simples. Voilà, tout simplement. Mais je trouve qu'il est vachement bien. J'ai lu une trentaine de pages déjà, et clairement, je me suis reconnue, hein, sur ces 34 pages, du coup, vraiment. Et j'ai surtout lu la partie de définir l'hypersensibilité. Comment veut dire que j'ai beaucoup souri et un peu rigolé parce que, en fait, je me suis totalement reconnue dedans. Et surtout dans. Parce qu'en fait, il y a trois aspects fondamentaux de l'hypersensibilité. C'est le sensoriel, émotionnel et le cognitif. Et moi, c'est plus le cognitif qui m'a énormément. Où je me suis énormément reconnue. Hein, parce qu'en fait, on va tout simplement. Je vais essayer de vous trouver. Voilà, il doute et décortique tout. Ça, c'est moi. Je peux vous le lire. Et même doute beaucoup, il a tendance à angoisser. Mais il est aussi très perfectionniste et méticuleux. Alors, perfectionniste, pas dans tout. Hein, je tiens à préciser, mais voilà. Il va au bout des choses même lorsque c'est compliqué ou semé d'embûches. Bah ça c'est moi. Ça je peux vous le dire. Je doute beaucoup de moi, je me pose énormément de questions. Je crois qu'il y a même une phrase par rapport à ça. Il se remet toujours en question. Voilà. Et c'est vrai que bah ça me fait repenser, ça m'a fait aussi repenser à ce reproche que j'ai eu la semaine dernière en me disant tu te prends trop la tête, vous voyez. Et quand je vois ça, bah je me dis bah en fait ouais, je me prends trop la tête, mais en fait bah ça fait partie un peu de mon caractère. Alors oui, je peux changer un petit peu, hein, améliorer un petit peu la chose, mais je ne pourrais pas changer. Voilà, maintenant je comprends que j'arriverai pas à changer. Et puis si je change, bah, j'ai voulu faire ça cette année. Bah, j'ai voulu, sans m'en rendre réellement compte, sûrement. Bah, c'est comme ça que je suis un peu tombée dans la dépression. J'ai voulu un peu changer ma façon d'être. Voilà ce que ça m'a donné. J'aurais peut-être pas dû, hein, du coup. Mais bon, je m'en suis sortie, ça va. Mais réellement, oui, on peut améliorer les choses, mais après, on ne peut pas non plus totalement tout changer, parce qu'après, bah, c'est plus nous, quoi. Et j'ai fait ça cette année, et bah, je suis d'accord. Quand on veut changer, mais que c'est pas nous, bah, on n'est pas bien au fond de nous par rapport à ce livre. Vraiment, pour le peu que j'ai lu, bah, j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai, bien sûr, dans d'autres vlogs de Noël. Pour vous donner un avis un peu plus approfondi, parce que là j'ai lu que le début, mais ça m'a appris déjà pas mal de petites choses et je me suis reconnue, c'est déjà le principal, j'ai envie de vous dire. Et après, bah, j'ai pas fait grand chose d'exceptionnel. Clairement, j'étais crevée, j'ai regardé des vlogs de Noël, j'ai mis à planifier, à programmer mon vlog du jour, et après, bah, c'est tout. Voilà, j'ai pas fait grand chose, j'aurais bien voulu faire un petit peu de couture, mais aucune envie. Pour être honnête, donc peut-être que demain, je vais peut-être faire de la couture, ça serait sympa. Du coup, je vais essayer. Après, si j'ai pas envie, je vais pas me forcer, bien sûr, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même. Bref, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser, je vous dis à demain et je vous fais de très très gros bisous.